Salut à tous, on se retrouve avec Brumage une fois n'est pas coutume pour un autre easter egg qui se trouve au début de l'histoire, mais que là on fait en mode chasseur ultime, donc c'est pour ça qu'on est déjà niveau 40. Chasseur de l'arche. Oui, chasseur de l'arche. Non, tu te trompes, c'est moi qui ai raison en plus, c'est toi. Ah ouais? Bah oui. C'est chasseur ultime. Oui, chasseur de l'arche, c'est ce qu'on est déjà. Ah oui, oui. Et du coup, je faisais toujours l'erreur et voilà, bravo. Donc on va découvrir en même temps ce que ça peut donner. Avec des mobs dans un niveau plus élevé. RTI, c'est quoi ça? C'est quoi ce mob? Oui, il y en a un qui s'appelait RTI, je sais pas souvenir qu'il y était. Pas d'avant. Alors là, faut faire attention au rat. Au rat voleur. Oui, c'est vrai, il vole de l'argent. C'est vrai. Ouvrez-moi ça, les gars! Donc la quête consiste à prendre une pizza à Moxie et à rentrer dans un certain repère. Qui contient 4 ninjas amateurs de pizza. C'est assez évocateur, sauf pour vraiment les très jeunes entre eux qui ont peut-être jamais connu. Même moi, et ce qu'on va essayer de vous montrer quand j'ai réussi la dernière fois, c'est que en plus des 4 ninjas est caché leur maître. Leur maître apparaît pas sauf si on arrive à faire une certaine manipulation. Donc là c'est Lee qui nous a parlé, évidemment Leonardo. Pas Lee Caprio. Non. On prend les munitions comme ça, on n'oubliera pas de le faire après. En mode normal, elle n'est pas super puissante. Ouais, et puis on ne sera pas tenté en plein combat de prendre. Donc voilà, une des pizzas qui se sont livrées. On leur apporte la même, hein, bien sûr. Voilà, on l'a mis sur la table. Et là, la front ultime, on bouffe la pizza. On peut la manger, la pizza, à leur place. Hop, j'ai mangé la pizza. Et donc, le dissident ninja, comme il est appelé, n'est pas très content. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais Lee là, il utilise un bâton, on dirait. Une matraque, je sais pas. J'ai pas bien réussi à voir. Et Leonardo, il me semble que c'est celui qui utilise le bâton. Dans l'original, non, c'est pas ça. Non, c'est lequel qui utilise le bâton? C'est Dan, Donatello. Donc c'est lui là. Ouais. Leonardo, c'est les katanas. Raphaël et Size. Des fourchettes. Oui, mais c'est vrai, beaucoup à l'époque, quand on était petit, on disait oh, il a des espèces de fourchettes bizarres. C'est des Size. Michelangelo, c'est les Nunchaku. Il utilise des machins laser rouges. C'est Raphaël. Oui, mais rouge, c'est normal, c'est sa couleur. Je veux dire les bâtonnets rouges laser, c'est pas normal. C'est adapté pour les gens aussi. Michelangelo. Assis par mon pied. Je me mets toi jusqu'à présent parce que j'ai toujours pas pu faire ça. C'est vrai qu'ils sont un peu chiants en fait. Là ils vont apparaître les 4 en même temps. Donatello est mort.
Et voilà, ils sont tous morts, les pauvres. Regarde, là on le voit bien, son machin laser rouge qu'il utilise. C'est un cure-dent laser en fait. Oui, c'est une adaptation de l'arme originale, je pense. Oui, c'est bien par là. Hein. C'est ensuite. Quoi la couleur que j'ai gagnée? Grâce Maliwan. Je me souviens plus du tout par contre. Du code? Ouais, parce qu'il y a un ordre. J'avais vu ça, il y a un ordre. Non, on va. Assez facile pour le faire. On va lutter en vidéo. Attends, je vais essayer de. Laisse-moi désactiver. J'ouvre juste le code. Une bazooka tout moisi. Celui-là il active. Attends. Ah mais tu m'as niqué mon truc. Parce qu'il y avait un ordre. Celui-là et. Celui-là activé de droite. Ouais, mais voilà, ah non, du coup, non, ça a tout changé en fait. C'est plus tout le même que. Non, c'est pas ça, c'est quand j'ai essayé un truc, mais comme tu t'as cassé l'ordre dans lequel j'ai essayé de le faire. Je sais pas si c'était le bon, mais au moins je voulais essayer. Normalement il y en a un, c'est. C'est un truc du style, tu fais 1, 2, 2. Là, il en manque. Il en manquait plus qu'un là. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, oh, là, j'y suis arrivé. Et là, pour l'appeler, il faut non, regarde, il arrive. Il est déjà. Oh. Donc là, vous voyez, ouais, Maître Splinter. La 39, c'est déjà plus intéressant que si on y était retourné en mode normal. Les mobs sont je pense, c'est 15. Mais... Ah. Sinon, ça aurait eu aucun intérêt. C'est déjà très bon, donc. Alors. Il a lâché quelque chose. Alors, son loot, c'était une SMG qui fait du 500 de dommages, donc tant mieux. Et une autre qui fait du 400 de dommages. Pas génial, loot. T'as pris le violet toi, c'est ça? Oh là là là. Ah, t'as mieux. Mais je te le lance quand même. Parce que c'était un gun, non? Ouais. Non, un gun, il fait énormément de dégâts et en plus... Et pourquoi tu ne le laisses pas le regarder? Mais tu l'as vu. Mais c'est sur la vidéo. Bon, mais ben voilà, petit survie fini. Et puis on fera une vidéo pour... Pour le prochain auquel on fera face. Allez, salut. Au revoir.